Santa Maria, Sangue de Lago e Amen. Santa Maria, Bayebavuka na makolo bazali kotele makotambola bayebakufa miso bazali komona oyo bayoka kate mato yekufa soka simbi bango bazali koyoka ba oyo baloba kate simbi na lolemo babandi koloba na bakundi kulonzi na Yesu tuna tajo yaya nata kugologota Santu Samba undia ndia tayimba takulunti nde mpefi santu ikala muna beto kontu muntu katambula mpefi santu mukusande kisalukiani muna familia muna paroisse muna dibundu kienda kuntuala l'assomption de Marie et Santo Maria kuna Zulu tata nzambi katusadisa mokusande betu diaka kilumbu situ fwa lufwa lufwa lukimu Kristu katufwe lufwa lukipaganoko e tusamba mpi mudiamudi bakulu batu zolanga baba fwa bakulu bakala katiki betu ye bavutuka una tata nzambi tatetu kala muzulu kaya kuti santisu kifumukia kutisa kwa mwama na mtoto kwa mwazimu kwa mwazimu kwa mwazimu Zalibana Bario
Animateur aye a du premier groupe à Kena Bango. Bam susu bazeli pe baninga. Baye allez to koti mbala moko. OK? Yes. Donc to zotambula en file indienne, mais il faut faire deux files indiennes. Oui. Thank you.
me disait, viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. Yuna yubasonika munansiku mi Moïse tumwene Yesu tembo kunge Kristu mwene yemfumu telelinde undanda Philippe yambwedi ya kulubi bikala yani tuka makumbwa matata nzambi ye Philippe untelande za wisitare nza wisiki mwene nange mosi yesa ukwikila Nathanaël, je te dis, comment si je suis en Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ, je kwenda en Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ, Wokumini yawu mwana gata di ngwelo bonzi Bethlehem kanzi gata di tebe di makeye mengi matadi di lukwikilu matadi di madiena muni yenda kukala yeyi mona fumu muna mesu mamu malukwikilu yenge mpangi kukakwenda ya kuzibula mesu maku malukwikilu yeyi mona fumu Nzila kibata kulunzi yedisa lukwe kilu lwetu. Donc vraiment, je vous demande de rester ferme dans la prière. Kobosa na chapelé na yote. Chapelé. 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 Après la nuit en Guidinga, le matin, le pèlerin s'apprête pour affronter la dernière route pour atteindre Mbata Kulunzi.
noces faites à Lot, à Marie. Kakuma angudio Yesu, mudiangu yanu kala, inko mabatala mambondo. Marie a été choisie par Dieu pour devenir la mère du Sauveur, la mère de Jésus, parce qu'elle était humble de cœur. Amen. Maria wid nempanya ni Elizabeth wuna na mufumu di kumiri mungo na samano zeta kare munswalo musala kutana nempanya mbondo no tondo imama betu ntamu sizi tuna ba Kristo kaanza kutulana musala kutala bampanyi tukutana bampanyi mpanyi kata bela katuvwiru pintamu kati minita mintano musala kutu kumpingu na mavipi. Je suis un homme qui a été un homme. Misala mi abiso na mayele mabiso na ngonga na biso to mi pesa to s'engager penza ya solo na kati eklesia pe to sale la nzambe ndenge ebongi to bonzela nzambe mu misala mi abiso mokonzela pesa biso makati ya koema kontia en pratique matia oto yoki na sala ya lotambo le Marie a été choisie par Dieu pour devenir la mère du Sauveur. Amen. Notuku la mine, ba memi Yesu au tempelo. Mande kona notuku loye. Tumoni, Mama Santa Maria na Tata Yosefu, awa bazwi mwana Yesu, bamemie o tempelo po ya kolakisa ye omito makasa. Misala mi abiso, na mayele mabiso, na ngonga na biso, to mi pesa, to s'engager penza ya solo na kati eklesia, pe to sale la nzambe, ndenge ebongi. Maria.
Même si l'obscurité vous aveugle, je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur va regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin. 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 Et la route est encore longue, et la route est encore longue.
eri mwana eri mpeve santo. Yesu ntotila. Aleluya. Yesu ntotile. Aleluya. Kiesi oka kiesi ko. Yesu. Dirika batata ba mama matoko bandumba. Kanga ri tata nzambe talabutusiye. Ekyo kilumbu kilumu kinkembo. Yon kembu tugirire munadiamuri musinde. Betugulu tukutakene mukusane tukembila tata. Nzambe. Joie d'allégresse pour le peuple de Dieu réuni en Batakulunsi. Une occasion de conversion pour tous ceux qui, jour et nuit, dans leur prière, dans leur travail, bref, dans leur vie, cherchent de rencontrer Dieu, notre Dieu à nous. Santa Maria Kalayebeto, Ngemburizami Kalayebeto, Wakisambuketo, Mukuboki lan sumuki, e Kristu utufui lan kenda. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit alors, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Je voudrais rappeler d'abord que c'est l'année de la foi. Et l'Église nous demande de croire en quatre choses. La première, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et notre Sainte Église catholique. Dieu, il est notre Père. Et en tant que tel, nous rejoignons la première lecture, la deuxième aussi, où il fait son travail de père au milieu de nous. Aujourd'hui, le salut, le royaume de Dieu, il nous sauve, c'est-à-dire, il nous récupère dans nos chemins perdus pour nous remettre sur le chemin de Dieu, afin que nous puissions encore récupérer la sainteté par la ressemblance à ce Dieu. Et le Christ a construit l'enclos dans lequel il faut protéger les brebis du Seigneur, l'Église catholique. Je m'excuse, mais je parle de l'Église catholique, qui est l'unique Église qui soit universelle, qui est l'unique Église qui provient des apôtres, de la foi des apôtres. Et c'est cette même foi qui aujourd'hui nous donne la ferveur de nous retrouver encore ici. Alléluia. 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 C'est d'aller témoigner que notre Dieu est vivant et il vit encore en nous et partout.
La deuxième lecture, il est d'abord père. C'est un papa. Et en tant que père, il a des enfants. Mais parmi ses enfants, il y a un premier-né qui est Jésus-Christ. Parce que si la terre est un grand boulevard où tout le monde peut circuler pour aller partout, mais la porte qui conduit au ciel est tellement étroite. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'entrer par cette porte étroite? C'est le mal, le péché. Tout ce que nous faisons là, qui ne plaît pas à Dieu, deviennent des charges. Mais seulement, les principes devant cette porte, on ne laisse pas les charges. Il faut y entrer. Vous les gardez avec vous. Toutes ces charges que nous avons, chaque fois que nous avons péché, nous avons surchargé notre vie. Et ce sont ces charges-là qui ne nous permettent pas d'entrer par cette porte étroite. Je ne vous connais pas. Parce que vous n'êtes pas allé à Matakulonze pour vous sanctifier, pour vous purifier. Un pour maman. Un pour maman. Et nous avons. Bana makeleka mukutu mwesa kiese muna bima bionzo muna Yesu Kristu mfumu wetu yani utazinge yala umosi yenge mpeve santo mvumu na mvumionzo amen muna mpeleli na jini unu banganga zinzambi bafu ana kipeni Yesu kakiesi yani tata la bejanti diye makangu una kire doyen kuna kimvula telemata tata mkumona. Alors, ma paroisse, ma messe,
Ntetintheti lunsila nlemfu sitanga paros Notre Dame de Lourdes qui mvula lutela bethu field ba Lourdes qui mvula. Tuka ngidi ngati qui mvula 120 km. Ntse ba tukiri kuna ba ter ba pèlerinage pa kuis. Ti dimbu ki lukui ku ba bua ku beno. Buda mudina ba mphani. Lusangula ti moku sangula moku. Zangula, nika fioti, nika. Vula mungumbu tata. Mungumbu bwana. Abuna mpeve sana. Nika kwa kubenu. Nikule. Nda, kukintasa. Paruasi Kristu Moloveli. Paruasi Semu Gaga. Paruasi Kristu Rua. Paruasi Notre Dame de la Sagesse. Paruasi Saint Laurent. Bampangi bana. Bana bampangu archidiocese de Kinshasa. Bama nata kimbangi kimbata kulunzi kuna. Meku lwega lukinsasa tuwiri paroisse Saint-Jean Apôtre. Babori bagisiri. Paroisse Sainte-Marie Gimwenza. Babatanu bagisiri. Paroisse Sainte-Rita. Yuna liyaka yuna. Sainte-Rita. Wele kune. Malheureusement. Sainte-Rita umosi. Kuluila umosi. Kumbanza mbama kumini kuseti. Kukipaku baba ya. Ku Saint-Pierre Kikonga baba samban. Ku Notre Dame de cette douleur kumiye nan. Ku Saint-Joseph kumiye ya. Ku Sainte Famille makumatatu ye voix. Ku Sainte Trinité kumiye nan. Mpemba. Kizei kulutangu muriambu babu wa yiga mabonsu kukalabi mbulu mukina. Kani ngidinga kileni lenda kutanga. Kiesu kwa kiesu kwa? Kiesu! Mama Maleka uka la katechiste. Pukaka la katechiste, mama yokumi ni regionaire. Regionaire disongirila, bonsu puna tata kidimago. Donc, yani kafuti lenda muna magata mkutala ma kominote, mama yoluta mwana ba yani. Una mdina ba mama, mbandu kwa niyo. Mbandu ilugene. Zoleri mwesa, mtuwanda kutata kile dingidinga. Yani wisi vwanda bindumbu yaku. Mungusaka katula matolu mafua. Basobasa katula fiyoto fipenti kuna kati. Yevu gantele rinkindu kini nwana. Mfuku isa, musitu isa. Kunzilari yako kusobiri munga kibu ntalikine. Kumuka kala ibeno. Kakala mpingi. Zambi tata mkongo luzonso. Kalusambu laika tomululuna. Muzinari tata. Yeri mwana. Yeri mpeve santu. Ici, nous sommes déjà de retour. Nous avons quitté Mbata et maintenant nous cheminons vers Ngidinga. Voilà ce que signifie la poussière. Aristote, tu es le premier qui revient de Mbata Kulunsi. Il est 17h. Qu'est-ce que tu penses ou quelles sont les impressions les plus fortes de ce pèlerinage? Tu pourrais nous partager ça? Oui, vraiment les impressions. Ce que j'ai ressenti en moi, c'est d'abord la manière dont nous avons partagé la prière partagée et la manière dont nous avons tous évolué avec ce vraiment dans le silence, dans le calme.
c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas, que pour le pèlerinage de Mbata, les choses se passent dans le calme. Vraiment, je l'ai découvert moi-même. Tu étudies où pour le moment? Pour le moment, j'étudie à l'Université Congo en deuxième graduat de médical. Tu fais partie d'un groupe? Oui, je fais partie d'un groupe à la paroisse Sainte-Trinité. Je suis dans le groupe bilingue à Mwinda, étape L2, et Yaya formateur dans le groupe étape L1. Merci. Maman, tu as aimé le pèlerinage? Qu'est-ce que tu as aimé? Ngweni kiesi mundia tulu méditation qui tordie l'outingi quand tout monde kiede mon antila bisambu kiesi kien qui kiede kien maluma yemoni impasi mundia tulu tu kiede yaiyo su tulu netu kunambata kulusko tu budwe kumbat kuki santo. C'est pratiquement la 8e fois que je viens en pèlerinage ici. Par rapport aux autres années, cette année, le thème était sur la prise en charge de l'Église par ses fidèles. Et par rapport à l'enseignement qui était prévu sur la prise en charge de l'Église, nous avons plus parlé de la responsabilité des chrétiens, de la charge que les chrétiens doivent à l'Église, par exemple, donner les dons, donner leurs dîmes, donner leurs offrandes pour que l'Église puisse survivre. Selon les dires de pape Paul VI, nous avons vu, comme tel qu'il avait dit à Kampala, nous avons vu que nous aussi nous devons prendre notre Église en charge comme d'antan les autres chrétiens de l'Europe l'ont fait. Et tout le monde était vraiment intéressé par ce thème. On a vu que avec la non-pratique de la dîme, nous avons beaucoup de problèmes. Oui, pour ce qui concerne l'esprit du pèlerinage, en tout cas, nous avons vraiment remarqué que tous les pèlerins étaient vraiment de même cœur. Quand il s'agissait d'être en silence, tout le monde a fait le silence. Quand il s'agissait de méditer son chapelet, tout le monde a médité son chapelet. Et quand il s'agissait aussi de partager la parole de Dieu, on a vu qu'on a eu beaucoup de partages.